Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end. Bienvenue à tous et à toutes, je suis Martial Olive. Alors, donc j'espère que tu vas bien. Moi, il y a la pêche hein, de mon côté. Ça va, plutôt bien. On se rapproche de plus en plus de l'été. Hein. Ça va, ça va. La première chose que je t'invite à faire, abonne-toi sur la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir pour m'encourager. Aujourd'hui, la dernière fois on a parlé de l'ORM, donc on a vu comment implémenter donc l'ORM dans notre application. Donc si tu n'as pas vu la dernière vidéo, je t'invite à aller la regarder. Il s'agit de l'épisode 8, comment développer vos applications web avec Python et Flask. Donc, épisode 8, va regarder cette vidéo, voilà, pour mieux te retrouver dans celle-ci. Donc, aujourd'hui, on va comment insérer des informations dans notre base de données, ok? Très simple. Première étape, il y a trois étapes à suivre. La première étape est de créer une instance de notre classe. La deuxième étape consiste à ajouter cette instance à la session de notre base de données. Et la troisième étape consiste à sauvegarder effectivement ces informations dans notre base de données PostgreSQL. Donc, on va aller, je vous invite à dérouler le menu terminal ici dans votre une fois ouvert donc le projet dans l'éditeur PyCharm. Donc vous cliquez sur terminal, donc une fois ici vous cliquez sur, vous appelez la commande Python pour entrer dans la console Python. Donc ici je vais importer de mon application l'instance de la base de données, puis je vais importer ma classe publication. Donc attention, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une petite erreur, c'est vrai, donc je devais faire from app import db, après publication, donc ça devrait fonctionner maintenant, alors c'est correct. Donc maintenant, ce que je dois faire, je vais créer une instance de ma classe, ok, parce que je vais aller insérer des informations dans la table publication de ma base de données. Donc je vais créer une instance de la classe publication. Alors je vais insérer vu qu'il s'agit donc des maisons d'édition, voilà, donc je vais appeler ici Bakami, une maison d'édition au Rwanda, donc Bakami égale publication qui prend un seul paramètre, le nom de la publication, la maison d'édition si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Donc je vais l'appeler donc édition, attention, je fais une erreur, donc je vais appeler ici édition Donia, donc appelons ça ici Donia, donc Donia, donc édition Donia, ok, c'est fait, voilà. Donc ici je fais Donia, name is edition Donia. Donc c'est tout simplement, vous vous rappelez de cette méthode prédéfinie qu'on appelle rep, qui nous donne tout simplement des informations sous forme de chaîne de caractères, donc des différents objets métiers qui ont été créés. En l'occurrence ici Donia. Alors je peux faire également Donia.name, donc vous allez voir, attention.name, donc vous allez voir édition Donia. Autre chose intéressante à faire voir, donc c'est la méthode dire. Je vous invite vraiment à l'utiliser plus souvent, Donia, voilà, qui va nous retourner tout simplement les propriétés et les méthodes donc associées à cette instance. En l'occurrence ici nous voyons donc les différentes propriétés et méthodes. Ici par exemple une méthode init prédéfinie, voilà, qu'on retrouve ici. Ce que je cherche ici c'est id et name qui ont été vraiment créés dans notre classe. Id et name, on la retrouve là. Donc une autre fonction assez intéressante à utiliser, voilà, donc serait c'est quoi ce trait bleu, barre bleue qui me fait chier là, alors
Ok, donc on fait type. Si je fais type, voilà, donne nia, ok. Ça me ressortit donc du type de cette variable. Il s'agit d'une classe, effectivement. Voilà, classe app.publication. Donc, créons une autre instance de notre instance. Voilà, donc star, et donc appelons star. Donc, star égale publication. Simplement, donc je passe la star edition. Donc, c'est une médiane d'édition. Voilà, du star edition, c'est une maison d'édition du bina. Donc voilà, publication star edition. Donc on a la star edition. Donc maintenant, ajoutons ces instances à la session de notre base de données. Il suffit de faire db.session, db.session. Étant donné que j'ai deux instances avec moi, donc je vais faire add all. At all, je pense que c'est comme ceci. Je pense que c'est exactement comme cela. Donc, db.session, attention au point, at all. Donc, étant donné qu'on a deux instances, on va passer une liste et on va donne nia. Puis star, ok. Puis on va faire db.session.commit. On va sauvegarder ces informations dans notre base de données. db.session.commit. Bah, c'est fait. Et puis dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, consulter notre base de données pour voir si ces informations ont été insérées avec succès. Donc il s'agit donc de star editions et edition de nia. Donc allons consulter notre base de données. Dans mon cas, j'avais déjà inséré quelques informations, comme vous pouvez le voir. J'avais inséré 16 informations. Donc, je vais faire un refresh de ma table. Et puis, je vais faire la query de nouveau. Puis, on voit là tout simplement édition d'ONIA, star édition, qui aura été insérée avec succès. Vous pouvez voir que l'identifiant voilà, s'incrémente au fur et à mesure que l'on insère des informations dans la base de données. Donc, c'est très intéressant tout ça. Donc c'était, vous voyez, le processus est assez simple. Donc si on veut insérer une autre information, voyons voir, alors silence, donc disons ici silence, donc silence égale publication, ok, édition silence. Ça, c'est une maison d'édition du Gabon. Édition silence. Là, on peut faire db.session.add cette fois-ci. Pas at all parce qu'on a juste une instance. Donc, on passe la silence. Voilà. Et puis, on fait db.session.commit. On part en consulte notre base de données. On fait le refresh donc, de la table. Puis, on fait la query de nouveau. Voilà, édition silence. Donc, vous voyez que les choses fonctionnent correctement. Donc, cette courte vidéo, c'était juste pour vous montrer comment on insère des informations dans notre base de données. Donc, si la vidéo, elle t'a plu, bah, c'est ce qui te reste à faire, non? Bah, abonne-toi juste en bas, hein, partage-la autour de toi, mets-moi un like. Si t'as des questions, mets-les-moi dans les commentaires, écris-moi. Voilà. Écoute, essaye à la maison et aussi hein, pour apprendre comment est-ce qu'on fait ça. Et voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, les gars.